Ouais. Continue. Ok. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Dieu. Pardon, c'est pas la bonne, pas la bonne truc que je voulais choper. À l'instant, j'ai pris le mauvais fichier, la mauvaise fenêtre. Attendez, partager l'écran. Et le truc que je voulais prendre, c'était lequel alors? Sur le chat, il y en a. Je sais pas si tu peux cliquer directement. Ah ben non, ça va télécharger. Scope 3, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Parfait. Bien. Bien Bienvenue joué. au colloquium. On a le plaisir d'accueillir Pierre Berger qui nous parle d'émergence des systèmes sauvages. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être là aussi, de pouvoir vous expliquer un peu mes problématiques de recherche en étant dans ce nouveau laboratoire, parce que je viens d'arriver en fait il y a pas longtemps, et de voir en fait s'il y a des intérêts aussi communs et si on peut continuer ce genre de discussion d'une façon ou d'une autre. Et donc voilà, donc je vous parler de ce sujet qui vient d'être annoncé. En fait, c'est un programme de recherche et donc je vais surtout présenter un problème qui est ouvert et quelques résultats. Et j'espère le faire de façon intelligible pour la plupart des personnes. N'hésitez pas à me couper. Donc, en fait, moi, je suis des systèmes dynamiques. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de travailler avec, en fait, un des problèmes fondamentaux en systèmes dynamiques, c'est de décrire le comportement de système dynamique typique, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre un système dynamique typique dans un sens qu'on va rencontrer plus tard et de regarder ses orbites. Donc, pour un point X, donc typiquement, en fait, en général, ce qu'on prend, c'est qu'on prend un diffeomorphisme. Ça peut être une application lisse de classe infinie, de classe CR. On peut prendre aussi des polynômes, des applications holomorphes. Peut prendre aussi des EDP. Nous, on va surtout travailler avec des variétés de dimension finie. Et on va regarder ces orbites, les orbites de ce système. Et donc, l'orbite d'un point de la variété, en fait, bah, c'est la chose suivante, c'est qu'on va regarder du coup un point X, on va regarder l'itéré énième par le diffeomorphisme de ce point X et c'est ce qu'on appelle l'orbite. Okay. Donc ce système, en fait, pour chacun des points, on a une orbite, et on peut regarder la plupart des points, donc, par exemple au sens de la mesure de Lebesgue, pour notre variété, qu'on peut supposer de volume fini. Et pour certains systèmes, c'est très simple de pouvoir décrire ce truc-là. Et pour d'autres, bah, c'est assez compliqué. Et donc, on va commencer par les plus simples. Donc, les systèmes dynamiques les plus simples, c'est les systèmes dynamiques de type Morse-Mail. Donc, c'est ce qu'on a ici. Et ce qu'on fait, donc on prend une surface qu'on imagine dans R3 et on fait glisser des points sur la surface. Et les points, en fait, vont aller tous vers le bas ou s'arrêter au col dans ce cadre-là. Okay? Donc le point ici qu'on a ici, en fait, on appelle ça un puits, okay, parce que ça attire tout. On peut dire que c'est un point fixe attractif. Hein, si on regarde la différence de notre dynamique à ce point-là, bah, les valeurs propres sont plus petites que 1. Un autre système qui est assez simple et assez simple à décrire, c'est le pendule. Alors le pendule, ben, je prends ce qu'on a vu à l'école. Hein. On prend un pendule qu'on connaît, un fil avec une masse, et on le laisse suspendre et il se balance comme ça. Et donc l'orbite de ce point-là, ben, ça va être la position, la vitesse que je mets en ordonnée. Ici, c'est l'angle θ. Ici, et la vitesse, c'est ce qu'on va avoir ici. C'est la vitesse du pendule. Et en fait, on va avoir le point qui va se balader sur ce diagramme-là qu'on a ici. Donc, le point ici au centre, c'est le point position d'équilibre vers le bas. Le point ici en haut, en fait, c'est le point qui correspond au point où le pendule est à l'envers. Et ici, on a un objet hein, qu'on appelle un point sel, okay, ou un point hyperbolique. Donc, en fait, j'en profite pour introduire un objet qu'on va juste rencontrer brièvement, c'est ce qu'on appelle la variété stable, la variété instable de ce point. Donc un point hyperbolique, en fait, c'est un point tel que la différentielle à ce point. En fait, si je prends le temps 1, eh ben, ça va être une différentielle
qui va ne pas avoir de valeur propre dans le cercle unité. Okay, donc ça, ça n'intersecte pas le cercle unité, donc on peut appeler ça U de C. Ça peut être, c'est une intersection qui est vide. Comme c'est un truc qui est réel, en fait, on va avoir une valeur propre qui est plus petite que 1, une qui est plus grande que 1. Et on peut regarder les points qui vont converger vers ce point-là, en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle une variété stable. Okay, donc c'est l'ensemble des points qui va converger vers ce point-là. Et on écrit comme ça. Et ici, on a, à contrario, une variété instable, qui est ici. C'est des points tels que si on regarde le temps à l'inverse, hein, qu'on inverse le temps, et bah, ça converge en reculant le temps vers ce point-là. Okay, donc, il y a un phénomène qui est exceptionnel qu'on a dans cette figure-là. C'est que la variété stable et les variétés instables coïncident, en fait. Et c'est très singulier comme comportement. Et on va le voir très vite. Et c'est un peu le début des variétés de l'étude des dynamiques sauvages. Alors enfin, un autre exemple de dynamique très simple, c'est l'exemple que j'ai mis ici, qui est l'exemple où on va avoir donc z donne z au carré. Donc on peut voir ça sur le plan C, on peut voir ça aussi sur la sphère de Riemann, ça se projective bien. Et ce qui se passe dans cet exemple-là, c'est qu'on a tous les points qui ont un module plus petit que 1 bah, qui vont être attirés super exponentiellement vite vers 0. Et tous les points qui ont un module strictement supérieur à 1 vont être attirés exponentiellement vite vers 0. Donc tous ces points là, pour Lebesgue, presque tous les points, en fait, la dynamique elle est très simple à décrire. Et on a sur le cercle unité un doublement d'angle. Et là, c'est un peu plus compliqué de prévoir ce qui se passe. Mais c'est un ensemble de mesures de Lebesgue nulles. Donc, c'est pas, de façon qualitative, ce n'est pas très grave. Donc voilà, ça, c'est trois exemples dynamiques qui sont simples à décrire. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que, en fait, dans cet exemple-là, l'exemple du pendule, en fait, eh ben, il peut se passer la chose suivante, c'est qu'on peut mettre le pendule sur. On peut le perturber. Donc, une façon de perturber le pendule, c'est que je prends mon pendule que j'ai mis. Le pendule de chez ma grand-mère, je le prends, il y a le truc qui balance. Et je mets ce pendule-là dans un ascenseur qui va en haut et en bas de façon très régulière. Et là, immédiatement, on obtient cette figure-là. C'est-à-dire que la variété stable, qui était très simple au début, en fait, elle se retrouve à intersecter la variété instable et on obtient ce genre de figure-là. Donc ça, c'était une découverte de Poincaré. C'est un peu la naissance des systèmes dynamiques qu'on appelle aujourd'hui chaotiques, mais de beaucoup d'autres choses, en fait. On a un diagramme de façon extrêmement complexe à décrire. Et c'est un vrai enjeu aujourd'hui en dynamique de pouvoir ne serait-ce que dire quelque chose sur ce genre de choses-là. Et il y a très peu de choses que l'on sait. Donc, je ne ferai pas l'inventaire de tout ce qu'on sait. Mais disons que on est absolument incapable de dire, par exemple, qu'est-ce qui se passe pour presque tous les points aujourd'hui pour une bifurcation, même une seule. Juste une, on n'arrive pas à décrire ce qui se passe. Donc, par contre, on peut dire que c'est très compliqué. Et la façon de le voir, c'est la façon suivante. Donc, on a ici ce qu'on avait appelé ici la variété instable. Et ici, on avait une variété stable, qui est là. Et ce qui se passe, en fait, c'est que cette intersection, en fait, comme les choses sont invariantes, eh ben, elles vont commencer à s'enrouler. Et en fait, du fait qu'on a un point hyperbolique ici, l'oscillation va augmenter énormément. Elle va même faire... Elle va même commencer à épouser l'autre variété instable, revenir, et on obtient ce genre de bordel. Hein. Donc, c'est un truc qu'on n'arrive pas du tout à décrire, si ce n'est qu'on peut dire que ce n'est pas intégrable, comme on a vu là-dedans. C'est pas, on n'a pas une famille d'hypersurface qui va être préservée par le système. Donc, voilà, ça, on peut dire que c'est sauvage en mesure où on ne comprend pas, et ce serait une bonne définition pour dire que c'est sauvage. Mais bon, voilà, on peut essayer d'aller plus loin. Et on voudrait donc du coup regarder d'autres exemples qu'on a assez simples. Donc un autre exemple que je peux vous donner de dynamique sauvage qu'on a dans les archives, c'est ce qu'on appelle l'application standard. Donc c'est l'application standard de Chirikov. Donc c'est une application du tore qu'on a ici. Et on a des jolies figures comme ça qu'on voit, mais bon, c'est une figure qui est très compliquée aussi à décrire. Où en fait ici donc ce qu'on a c'est qu'on a plein de cercles qui sont invariants, ok, ensemble, qu'on verra qu'ils sont des cercles CAM, on en reparlera brièvement tout à l'heure. Et ici on a des choses qui ressemblent un peu à ce qu'on a vu juste en haut
où on imagine qu'on a des points sels, et on peut même montrer qu'on a des points sels avec des variétés instables et stables qui ont un comportement extrêmement difficile à décrire. En fait, la géométrie de cet objet-là, encore une fois, est extrêmement complexe à décrire. Et donc voilà, on a des jolies images. Là, ici, en fait, lorsque j'ai mis la couleur orange, c'est quand j'étais dans un phénomène qui, pour les 100 millièmes première itération, ressemblait à un truc où on a beaucoup de points périodiques, on a des comportements quasi périodiques, on le verra dans un instant. Et ici, c'est plus un comportement chaotique, et a priori, en tout cas, c'est les premières itérations. Donc voilà, juste pour le plaisir des yeux, on peut s'amuser à zoomer et apprécier en fait la complexité de ces figures. Normalement, les couleurs sont censées être invariantes pour la dynamique, donc on voit qu'il y a plein de zones différentes qui sont invariantes et une géométrie très belle, mais en fait qui correspond à aucun objet, aucune structure que je connaisse aujourd'hui. Et donc, si ça vous évoque quelque chose, ça m'intéresserait d'avoir votre opinion. En fait, une des choses, c'est que lorsqu'on regarde des choses un peu de loin comme ça, on a l'impression qu'on a une lamination. Donc, on a un produit d'un ensemble fois des droites. Mais si on regarde de plus près, on voit qu'on a plein de plis et on voit qu'on a des plis dans des plis, etc. etc. Et donc, ça, en fait, il n'y a pas d'objet que je connaisse qui décrive assez bien ce genre d'objet. Okay. Une autre image qui est belle, donc c'est un polynôme complexe. Un polynôme complexe dans le plan complexe, dans C2. Donc, c'est dans une projection en dimension 2 d'un objet en dimension 4 qui est due à Ushiki, Shinjiro Ushiki. Et là, donc, on voit des choses qui ressemblent à des cercles sur lesquels la dynamique agit comme une rotation. On voit aussi des cercles qui s'enroulent sur eux-mêmes pour former des espèces de tores. C'est ce qu'on a ici. On a plein de petits trucs comme ça. Et on voit ici des objets comme ça qui ressemblent un peu à ce qu'on avait pour le pendule. Okay, donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a du monde. Il y a beaucoup d'objets différents, c'est rempli. On peut dire que c'est un truc assez sauvage, parce qu'on ne comprend absolument pas ce qui se passe là-dedans. Il y a aussi des cantors ici, qu'on voit ici, de points, qui sont sûrement des cantors hyperboliques. Donc, on a un objet extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, en fait... les outils principaux qu'on a pour décrire les dynamiques que je viens de vous montrer, en fait, il y a deux mots que j'ai sortis. C'est le mot quasi-périodique, le rotation, etc., ou les mots hyperbolique, le point hyperbolique, les canteurs hyperboliques. Et ça, c'est les deux grands champs qu'on a actuellement, qu'on essaye de faire. Et donc, on essaie de décomposer notre dynamique en deux grosses parties. Donc, voilà, il y a deux paradigmes. Et en fait, pour faire simple, on peut se mettre sur des exemples paradigmatiques. Et donc, l'exemple paradigmatique d'un phénomène quasi-périodique, c'est la rotation irrationnelle sur un cercle. Donc, on prend le cercle T et je vais lui associer, je vais rajouter à chacun des éléments du cercle un nombre irrationnel, alpha. Et donc, ça me donne la rotation et on voit en fait que tous les points sont denses, qu'il n'y a pas que c'est stable, en fait, que s'il y a deux points qui sont proches, eh bien, ils restent proches indéfiniment, etc. Un autre exemple qu'on a qui est paradigmatique, en fait, c'est une généralisation du point sel, où on avait une direction avec une valeur propre de module plus grande que 1 et une qui était plus petite que 1. Donc, ça serait, en fait, on pourrait même dire juste en dimension 1, ça serait juste par exemple x donne 2x. Mais là, on prend un truc un peu plus méchant, c'est-à-dire qu'on va prendre un compact de points, un compact formé de plein de points périodiques, et donc ça reviendrait en fait à prendre θ donne 2θ. Okay, donc je fais un doublement d'angle sur le cercle, et ce qui est intéressant dans cet exemple là, c'est que en fait s'il y a 2θ qui sont proches, et ben au bout de plein d'itérations, ils seront pas si proches que ça, ils seront essentiellement loin. Donc c'est des phénomènes qu'on appelle chaotiques pour cela. On peut les appeler aussi hyperboliques. Okay. Donc voilà, donc après, ces exemples que je donnais paradigmatiques, en fait, il y en a d'autres exemples. J'ai pris volontairement, je ne mets pas la définition de ce que je dirais hyperbolique, ni même quasi-périodique. Mais par contre, je peux vous donner des exemples qui sont dans des espaces avec une certaine symétrie, en fait. Hein. Donc par exemple, si on prend cet exemple-là, l'exemple des rotations irrationnelles, bah,
une généralisation assez simple qu'on peut imaginer, c'est qu'on ne prend pas un tore de dimension 1, mais on prend un tore de dimension n. Et au lieu de prendre un nombre, ben, je prends un vecteur irrationnel dont tous les composantes sont bien irrationnelles. Et donc, du coup, on va avoir aussi des orbites denses, on va avoir le même genre de comportement. Donc, ce genre de choses, en fait, se généralisent aussi. On peut prendre des surfaces plates. Il y a des gens qui dans le laboratoire qui étudient ça. Il y a ce genre d'autres exemples qui existent. Il y a aussi un autre exemple qui est sympa, qu'on pourrait mettre dans la catégorie quasi-périodique, c'est l'exemple de l'odomètre. Donc là, je prends la limite projective de Z sur 2NZ et je fais l'addition par 1. Okay, donc ça, c'est un peu... C'est un peu la version péadique de ce phénomène-là. Et en fait, on peut le retrouver même pour des dynamiques qui sont lisses, donc des dynamiques qui sont sur R2, sur le plan, en faisant la construction suivante, c'est qu'on prend un disque qui est envoyé sur un autre disque, mais l'intérieur de ce disque-là est formé, de chacun de ces disques-là est formé de deux disques, et les disques, en fait, sont permutés de façon à former un cycle d'ordre 4. Et à l'intérieur de chacun de ces disques-là, je peux refaire la même construction pour avoir à l'intérieur de ça un disque de période 8, etc., etc. Donc ça, c'est une autre version qu'on peut rencontrer en fait, dans les exemples que je vous ai montrés au-dessus. Et encore, les choses qu'on peut faire même, c'est faire des espèces de produits d'exemples comme ça en prenant des translations sur les solénoïdes. Donc c'est des choses qu'on rencontre, par exemple, lorsqu'on va étudier des pavages sur la droite ou sur le plan, des passages qui sont avec un nombre localement fini de motifs. Les autres modèles hyperboliques qu'on a, en fait, la génération la plus simple qu'on peut avoir de cet exemple-là, c'est en prenant l'action d'une matrice de MN2Z sur le N-tor. Donc, c'est possible de faire ça. Et donc là, on voit qu'ici, c'est la matrice égale à 2 dans N1-2Z. Donc, on peut prendre une matrice dans le tor. Et on obtient la même chose si on assume qu'on n'a pas de valeur propre de module 1. Donc, ça, c'est intéressant. Lorsqu'on prend le cas où MN2Z, c'est une matrice qui est inversible, c'est possible. Donc, dans SLN2Z, on a ce qu'on appelle une matrice qui est anosov. Et on va avoir le même genre de comportement. Donc, deux points qui sont proches, en général, vont être éloignés exponentiellement rapidement. Et donc, c'est des objets de la même catégorie. Hein. Un autre exemple qu'on a, c'est l'exemple qu'on a sur le décalage. Donc, je prends le produit de moins 1, 1 à la puissance Z, et je prends le décalage où je prends toutes les suites et je vais les décaler d'une fois. Donc là, pareil, en fait, cet exemple-là, c'est la même chose que celui-ci. Si jamais on écrit le tor en binaire, hein, si on écrit le tor en binaire, j'obtiens moins 1 à la puissance grand N. Et en fait, pour passer de N à Z, il suffit de prendre une limite inverse. Donc, c'est à peu près la même chose. Et c'est un exemple, en fait, cependant, donc dans la forme plongement isométrique, qu'on peut retrouver dans des exemples qui sont comme ça, qu'on appelle le fer à cheval de Smail, où en fait, on prend une transformation qui envoie ce carré-là de cette façon-là, de sorte que... Et on prend le maximal invariant. Okay, donc, les points qui vont rester toujours dans le vert ou le rouge, dans l'union du vert et le rouge pendant toute leur orbite, et bien on peut montrer que c'est conjugué, vraiment, que c'est homéomorphe à ça, ce qui reste, avec la même dynamique qui correspond à un décalage. Donc, ça, c'est un autre exemple. Et enfin, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut prendre la limite inverse de cette matrice-là et on obtient un produit de ce genre d'exemple, hein, avec une structure de solénoïde. Donc là, je vous le donne ici, ce qu'on appelle un attracteur hyperbolique. Donc, on prend par exemple une bouée comme ça, comme un pneu de voiture. Et le pneu de voiture, ce qu'on fait, c'est que ce truc-là, je prends ce bouée, je l'étire à fond et en le compressant en largeur. Okay, et une fois que j'ai fait ça, je le remets à l'intérieur de ce truc-là en l'enroulant deux fois. Okay, je prends le pneu, je l'enroule deux fois à l'intérieur, je le remets. Ça me définit une transformation. Et si j'itère, je vais obtenir en fait ce truc-là ici. Hein, donc, un produit de Cantor fois les droites, mais voilà, où la monodromie, elle n'est pas non plus triviale. Et si je regarde ce truc-là, en fait, ce que j'ai fait ici, radialement, hein, en termes d'angle, c'est un doublement d'angle. Et donc, en fait, ce truc-là, il est semi-conjugué. Donc, en fait, je peux le projeter, ce système dynamique-là, sur celui-ci, si je veux, si je m'intéresse juste à l'angle. J'ai exactement la même chose. Donc, une application continue qui va vers de la bouée vers le cercle, de façon à ce que les deux dynamiques se retrouvent
en fait, tel que l'application continue fasse commuter le diagramme avec, avec cette dynamique-là et cette dynamique-là. Voilà, donc il y a plein de généralisations, je ne peux pas les énoncer. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le labo sur les générations de ces théories-là. Il y a des, voilà, c'est des champs où il y a des progrès spectaculaires. Pour dire quelques mots, je pourrais dire juste les diffeomorphismes aux Akatok, qui sont des systèmes qui sont presque périodiques. On peut parler de l'attracteur de Lorentz qui est une généralisation de ce genre de choses-là, quoi, qui appartient à une généralisation de ce genre de système-là. Il y a aussi l'attracteur de Hénon qu'on peut voir aussi comme une généralisation de ce genre de système-là, ou encore les dynamiques partiellement hyperboliques auxquelles les flots Anosov, par exemple le flot sur une surface à courbure négative appartient. Tout ça, c'est des éléments de cette théorie-là. Et donc, la question qui se pose naturellement, c'est qu'on a vu juste avant ces systèmes-là. Je vous ai dit qu'ici, on pouvait trouver des cercles, on pouvait trouver a priori des contours hyperboliques. On sait qu'il y en a. On sait qu'il y a des fers à cheval, donc ce genre de choses ici. On sait que ce genre d'objet appartient à ce genre de choses-là, mais est-ce que ça suffit à décrire ces systèmes-là? Et en fait, si c'est le cas, c'est génial. Si c'était le cas, ce serait génial, mais c'est complètement ouvert. On sait que les théories basiques ne suffisent pas, mais est-ce que leur généralisation pourrait le faire? Ce serait génial aussi. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait être amené à. Quoi, ces systèmes-là, ces modèles-là, en général, permettent de pouvoir décrire le comportement ergodique des trajectoires. Et ça, c'est un truc qui va nous intéresser pour s'exposer. C'est-à-dire que pour. Si on a un système, en fait, si on a un système quasi périodique, en général, il est ergodique. En fait, tous les exemples que je donnais, ils sont ergodiques. Il n'y a qu'une seule mesure qui est invariante. Et donc, ça veut dire qu'en fait, tous les points qu'on va avoir, si on regarde leur moyenne temporelle de la trajectoire, donc si je regarde les n premiers itérés de la trajectoire, donc du coup, je regarde la mesure qui est supportée par les n premiers itérés, je moyennise, j'obtiens une mesure de probabilité. Donc, c'est ce qu'on appelle la mesure empirique, la n-ième mesure empirique, cela. Cette mesure-là, ça définit une suite de mesures et on sait qu'elle va converger, vers une unique mesure. Okay, donc pour tous ces systèmes quasi-périodiques, c'est ce qui se passe. Et pour les systèmes hyperboliques, en fait, on a un théorème beaucoup plus profond qui est celui-ci, Steiner-Ruel-Boel, qui dit qu'en gros, pour tous les attracteurs hyperboliques, en fait, tous les points du voisinage d'un attracteur hyperbolique va converger vers une unique mesure. Hein. Et donc, c'est ça. Donc, tous les points, en fait, vont avoir un comportement statistique qu'on peut définir, que l'on peut décrire par une unique mesure. Donc, c'est un peu un miracle sur les choses-là, parce qu'en fait, finalement, on a des systèmes dont le comportement asymptotique est très sensible aux conditions initiales. C'est-à-dire que si je prends deux points proches, ils vont s'écarter très, très, très vite. Exponentiellement vite l'un des autres, mais par contre, en moyenne, on peut dire ce qui va se passer. Okay. Donc ça, c'est un terme qui est remarquable. Il y a des généralisations, voilà, les généralisations sont moins évidentes, bien sûr, aussi bien dans le cas quasi-périodique que dans le cas non uniforme parabolique, partiellement parabolique, etc. Mais c'est un truc que l'on a. Et donc, en fait, si on avait que ces deux théories en fait sont suffisantes pour décrire ces systèmes-là, en fait, ça voudrait dire qu'on pourrait en fait décrire en quelque sorte le comportement statistique du système. Donc, on pourrait décrire en fait les trajectoires du système dynamique que l'on étudie, leur comportement statistique. Et ça, c'est une question qui est reliée à l'hypothèse ergodique de Boltzmann, qui a été remathématisée plus tard par Birkhoff et Koopman. Et qui était dans un autre contexte, hein, donc Boltzmann lui partait en fait de la dynamique des gaz, et en fait Birkhoff et Koopman étaient dans un contexte plus général en système dynamique hamiltonienne, qui disait qu'en fait si on prenait un système dynamique hamiltonien typique, et donc là typique je ne le définis pas, je ne sais même pas si l'on définit eux-mêmes, en fait on avait que l'été ergodique, c'est-à-dire que tous les points, presque tous les points
vont avoir leur moyenne temporelle qui va converger vers la moyenne spatiale. Donc, c'est un théorème c'est une conjecture qui est très séduisante, qui est très lucidisante. Alors, je n'ai pas défini ce que ça veut dire qu'une dynamique hamiltonienne. En fait, par limite hamiltonienne, on peut penser à une dynamique symplectique, okay, telle que l'action en fait, sur les cercles essentiels, elle est de moyenne nulle. Voilà, il faut dire ça comme ça. Donc, en fait, ça, il y avait un argument en faveur de genre de ce théorème-là, de cette conjecture-là, qui était le théorème de Birkhoff, et qui est un théorème remarquable, qui dit qu'en fait, si on a un signe dynamique qui préserve la mesure de Lebesg, eh ben, on sait que presque tous les points ont leur moyenne empirique qui converge. Okay. Et donc là, par exemple, tous les systèmes que je vous ai montrés tout à l'heure, le mouvement d'angle, la rotation, bah, c'est des systèmes qui préservent le volume. Hein, le mouvement d'angle, ça préserve le volume de Lebesg sur le cercle. Et bah, on sait du coup que presque tous les points vont avoir leur moyenne harmonique qui converge. Donc ça, c'est un terme qui est remarquable. Mais par contre, la conjecture, elle est fausse. La conjecture, elle s'est avérée être fausse. Elle s'est avérée être fausse après les travaux de Kolmogorov, avec ce qu'on appelle la théorie aujourd'hui CAM, donc, du nom Kolmogorov, Arnold, Moser. Il y avait aussi Hermann qui a fait des choses assez intéressantes dessus. Et en fait, ils ont démontré la chose suivante, c'est que, par exemple, dans l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, ce qui se passe, c'est qu'on a des cercles. Hein, vous avez dit, on avait des cercles qui sont invariants, on en a plein, en fait. Et on peut montrer qu'avec la théorie CAM, dans le genre de système symplectique, avec des conditions ouvertes, on avait un package de cercles de mesures positives, de Lebesg positives, qui sont invariants. Donc, chacun des cercles est invariant. Donc, tous les points qui sont dans le cercle vont rester sur le cercle. Donc, leur moyenne ergodique va être la mesure de Lebesg sur le cercle, en gros. Et non seulement ça va être le cas pour un cercle, pour deux cercles, mais en fait pour un ensemble de mesures positives de cercle. Et donc, ça ne peut pas être ergodique. Parce qu'ergodique voudrait dire qu'en fait, si je prends un point, sa moyenne, elle va aller partout, y compris au milieu de cercle, et se répartir partout sur tout le tore. C'est ça que ça voudrait dire être ergodique. Donc ça, c'est faux. C'est faux, mais en fait, ça ne fait pas très peur. Parce que si on regarde les choses, en fait, l'obstruction à être ergodique, c'est un îlot elliptique, ce qu'on appelle un îlot elliptique. Donc une zone en fait, où tout se passe, où la dynamique est entre guillemets simple, comme on l'a vu tout à l'heure. En fait, ça ressemble un peu à un système intégrable. D'ailleurs, c'est très proche d'être un système intégrable. Et donc, on a en fait une dynamique ici qui pourrait être très facilement modélisée par un pendule, en gros, quoi. Et dans le comportement, il n'y a pas de part d'erreur, il n'y aurait pas trop de problèmes. Si on regarde l'image en gros, on voit qu'on a priori un nombre fini d'îlots elliptiques. Donc on se dit, bon, ce n'est pas très compliqué à décrire. Alors a priori, on pourrait supposer que ce qui est blanc ici, c'est ergodique, ça se balade partout. Et le truc elliptique ici, ce n'est pas ergodique, mais c'est un pendule. Et donc, je suis content avec ça, ça me convient. Et donc, en fait, si on va aller plus loin et qu'on est optimiste, on peut se dire, ce qui se passe, il y a ce phénomène-là, le phénomène des tores CAM, et si jamais on voit les théorèmes CAM, en fait, un truc qui est essentiel pour que ça marche, c'est le fait que ça préserve le volume. OK. Donc, c'est possible de faire du CAM sans préserver le volume, mais c'est déjà beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup moins d'exemples. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut retirer cette hypothèse-là, donc on peut retirer la structure géométrique de ce genre de système et s'intéresser au système qui ne préserve pas le volume. Okay, donc, qui ne préserve pas la fonction symplectique, qui ne préserve pas le volume. Et ces systèmes, en fait, donc du coup, on pourrait supposer que si on enlève en fait l'hector CAM, du coup, ça devient ergodique. Ou disons qu'il y a un nombre fini d'attracteurs, donc finiment ergodique. Donc, c'est ce qu'a fait comme conjecture Smale, dans les années 70. Il a supposé, il a conjecturé à un moment donné qu'il y avait un ouvert dense de système dynamique lisse, non conservatif, qui présente un nombre fini d'attracteurs, et même, en fait, on sait même que c'était des attracteurs uniformes parabolique dans la définition qu'il a donnée, et que je ne donnerai pas. Et donc, il a fait cette conjecture-là, mais cette conjecture-là s'est avérée être fausse par un de ses étudiants, Newhouse, qui a montré en fait, qu'on avait un phénomène assez terrible et très sauvage pour le coup, qu'on avait en fait un ensemble ouvert en toute topologie différenciable, hein, pour un ensemble de diffeomorphismes
ouverts, forme dynamique, qui ont une infinité de points périodiques attractifs. Donc, je vous rappelle qu'un point périodique attractif, c'est un point fixe ou un point qui est envoyé sur lui-même après un nombre fini d'itérations, dont toutes les valeurs propres sont de modules plus petits que 1. Donc, en fait, on a un voisinage de ce point-là qui va être envoyé dans lui-même. Et donc, la dynamique la dynamique voisinage de ce point-là est très simple, elle est extrêmement simple. Mais par contre, on en a un maximum, on a une infinité, en fait. Et non seulement on a une infinité, mais en plus, tous ces points périodiques, en fait, s'accumulent sur un décalage de Bernoulli, donc sur un hors-chou, ce que je montrais tout à l'heure, le phare à cheval de Smail. Et sur ce décalage-là, en fait, eh ben, on verra qu'il y a énormément de mesures invariantes. Donc, il y a une richesse de comportement statistique hallucinante, super exponentielle pour des distances standards. Et si bien que, du coup, ce système dynamique-là est extrêmement compliqué à comprendre, à appréhender, à décrire. Et en fait, on ne sait absolument pas décrire un seul exemple de ce type-là. Il n'y a pas un seul exemple où on sait dire tout ce qui se passe pour tous les points, ou presque tous les points, de ce genre de type de diffeomorphisme. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait qu'on ait une infinité de points périodiques attractifs ne veut pas dire qu'on le comprend infiniment mieux que si on n'avait qu'un nombre fini comme dans un Morse-Mail, mais au contraire, que c'est une borne inférieure de la complexité du système qui se passe, de ce genre de système-là. Donc voilà, donc il y a ce phénomène-là, et un fait remarquable, c'est que ce phénomène-là apparaît dans un maximum de catégories de systèmes dynamiques. Donc je ne parle même pas de, voilà, je parle même pas de juste de surface dynamique de classe R de surface, où on va étirer un diffeomorphisme. On peut aussi attirer, c'est un truc qui existe aussi pour les dynamiques. Si on met une réalité analytique, réelle analytique, ça existe aussi si jamais on considère des différents fils de surface conservatifs. Alors, dans ce cas-là, il faut juste remplacer le point périodique attractif par un îlot elliptique. Donc, on va avoir une infinité d'îlots elliptiques qui vont s'accumuler sur un décalage de Bernoulli. Ça marche aussi si on baisse la régularité, si on est en C1. Ça va marcher aussi si jamais on est pour les automorphismes complexes polynomiaux. Hein, donc ça, c'est des résultats qui existent aussi. Ça marche aussi si jamais on va regarder des solutions stationnaires des équations de l'air. Donc ça, c'est un travail en cours qu'on fait avec Anna Florio et Peralta Salas, Alain Floriel au labo. Pierre, je crois que Romain a une question. Ouais. Alors, ouais, juste une petite question. Qu'est-ce que tu entends dans le théorème par s'accumule sur un décalage de Bernoulli, dans le théorème de... Alors, en deux mots, pour ne pas interrompre trop le flow de ton exposé. Donc, en deux mots, ça veut dire que si je me donne, on va dire comme ça, si mais je vais remettre plus mes points, ok, périodiques, je peux regarder. Donc, ça marche en deux sens. Ça marche à la fois dans le sens de la distance et aussi au sens de la mesure. Donc ça, c'est un truc, je ne sais pas si c'est déjà été écrit, mais c'est un truc qu'on peut montrer assez facilement. C'est-à-dire y compris la dynamique sur l'ensemble des cycles, ça, c'est ce que vous avez fait plus ou moins avec Sébastien, non? Oui, mais en fait, c'est un truc qu'on a coté de façon générique. Ça, on n'a pas fait ça avec Sébastien. C'est un truc automatiquement de façon générique, topologiquement générique. Donc, c'est-à-dire que pour une intersection d'ouvert dense, okay, on va avoir, dans toutes les topologies qu'on veut, on va avoir que l'ensemble des points, des puits, si jamais je prends l'ensemble des points attractifs, okay, donc ça, j'allais dire que ça, c'est une union de points attractifs, okay, mm-hmm. Donc il y en a forcément une quantité dénombrable. Je prends l'adhérence, ça va contenir mon décalage. Okay, mm-hmm. Et ça veut dire aussi que si mais je. Il y a un autre truc qui se passe aussi, c'est qu'on va avoir aussi génériquement que si mais je regarde les mesures empiriques supportées par ces points, okay, et ben ça va contenir en adhérence l'ensemble des mesures des points du décalage. Ok, donc ça, tu dis que ça marche dans le phénomène de Neuhaus standard. C'est un truc qu'on peut montrer. D'accord. C'est pas très compliqué à montrer. Je ne sais pas si ça a été déjà rédigé, mais c'est pas très compliqué à démontrer. Ok, merci. Je t'en prie, mais n'hésitez pas, hein, sur les autres questions. Est-ce que c'est localement, topologiquement générique? Qu'est-ce que localement? Alors, localement, c'est un truc qui marche pour un ouvert, ok, et topologiquement générique, donc c'est dans... Donc, pour le définir bien, merci pour la question. Non, parce que l'ouvert, il est très, très petit, peut-être. De Neuhaus, non, il n'est pas très petit. Hein. C'est un gros ouvert. Cet ouvert-là, il est énorme.
Là, on pourra montrer, c'est une taille macroscopique. Je veux dire, dans l'application. Non, non, je suis d'accord, mais il est pas. Si tu prends, on va prendre l'exemple très simple. Je prends l'application standard, c'est un paramètre. Ça marche pour tous les paramètres suffisamment grands. Tous. Donc, tous les paramètres suffisamment grands, tu as cet ouvert-là. Donc, c'est un truc énorme. Ce n'est pas un truc, expérimentalement, tu peux dire lorsque tu y es, quoi. Il n'y a aucun problème. Il y a plein d'exemples. Après, topologiquement générique, là, on va discuter de ça. Donc, ça veut dire qu'il existe un ouvert U dans les diffomorphismes de classe R. Okay, donc, un ouvert non vide. Hein. Je ne la joue pas, on ne va pas la jouer au bâti ici. Donc, un ouvert U tel que, en fait, l'intersection tel qu'il existe une union, alors pardon, il existe aussi une famille d'ouverts, ok, ouverts denses, et en fait cela, ça va intervenir dans l'intersection des U de N, ok. Donc pour tout F appartenant à cette intersection, qui est donc un ensemble topologiquement générique, donc c'est-à-dire que c'est un ensemble qui est au moins dense, ok, parce que c'est un de Baire. Et donc pour tout F dans cet ouvert là, eh ben, on va avoir ce phénomène-là. Okay, donc, c'est localement générique, topologiquement générique, parce que ce n'est pas pour tous les. C'est pas un ensemble générique dans diff R de N2. Okay, c'est un phénomène qui est générique dans un ouvert non vide de celui-là. Okay, vous me dites si jamais. Peut-être que j'ai tendance à parler un peu vite parfois, donc il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Donc, effectivement, ce que disait Bassam, à l'instant, j'ai reconnu la voix, je ne sais pas, oui, c'est bien Bassam. Ce que disait Bassam, en fait, c'est que, attention, ce truc-là, il est tout petit, etc. Et effectivement, il y a une controverse là-dedans. Là-dedans, c'est qu'en fait, on peut avoir aussi bien cet ensemble-là, le gros U ici, il n'est pas du tout petit, et ça, on peut, je veux dire, en général, c'est ce qu'on a. On a un vrai ouvert, et c'est un truc qu'on peut bien sentir dès qu'on fait des expériences numériques. Aussi bien l'intersection des U de N pour lesquels on va avoir ça, là on peut contester parce que en fait on peut avoir des ensembles topologiquement génériques de la droite par exemple qui vont avoir une mesure de Lebesgue nulle. Et donc c'est ce qu'on peut le faire très facilement. Donc par exemple si on prend l'ensemble des nombres Liouville, et ben c'est un ensemble qui est topologiquement générique mais qui a une mesure nulle de Lebesgue. Okay, donc on peut dire bon bah c'est pas bon. Et donc, en fait, il y avait un package de conjectures dans les années 90, le 80-90, les premiers à avoir parlé de ça, c'était Techin Dali et New York. York, c'est le mathématicien qui a inventé le mot chaos, qui a placé le mot chaos. Et Palistakhin aussi, dans une période similaire, et qui a été aussi repris plus tard par Piuchou et par Palis, qui disent en gros, et voilà, je raccourcis, en gros, ils disent la conjecture suivante. Okay, donc, ce n'est pas exactement ça qu'ils ont dit. Il y en a cinq qui ont dit exactement ça, d'autres qui n'ont pas dit exactement ça, mais en gros, c'est dans ce tone-là. C'est qu'on ne peut pas prendre de mesure, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est que si jamais j'ai un espace, donc j'ai mon espace qui est un banar, okay, donc c'est un espace de dimension infinie, donc on peut montrer formellement qu'il n'y a pas de mesure de Lebesgue définie dessus, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre des courbes dans cet espace-là. Et on peut prendre les courbes, et l'ensemble des courbes dans cet espace-là, bah, c'est un banar. Okay. Et donc, si je prends l'ensemble des courbes dans ce banar-là, et ben je peux me demander qu'est-ce qui se passe pour presque tous les paramètres de ces courbes-là. Okay. Et donc, ils disent que si je prends une famille générique de courbes dedans, okay, ben, en fait, typiquement, je vais avoir un nombre infini d'attracteurs. Okay. Donc, ça, c'est une conjecture qu'ils ont fait, c'est une conjecture que j'ai réfutée. Donc, ce n'est pas vrai, en fait, on peut avoir exactement l'opposé. Donc, voilà, donc ça, c'était en fait pour vous dire, en gros, que ce genre de système-là, on aurait envie de pouvoir les décrire. Okay, et en fait pour le décrire, en fait, ce que j'ai proposé, c'est d'y aller en un peu par analogie à la théorie hyperbolique qui est très développée. Il y a des gens qui sont très forts là-dedans, qui interviennent dans tous les champs mathématiques, et qui est le concept d'entropie. Donc, pour faire vite, en fait, l'entropie, c'est quoi? Ben, on va mesurer à quel point c'est chaotique, à quel point les trajectoires divergent. Okay, donc, on prend pour cela la métrique de Bowen et on va regarder la distance entre deux points. La distance entre deux points va être définie par la distance des n premiers itérés de A2. Okay, donc, je regarde à quel point les trajectoires vont diverger. Et bah, l'entropie, il y a trois notions d'entropie qui existent et il y en a plus en fait, mais j'en parlais que de trois. On va dire, il y a l'entropie topologique qui correspond à regarder le nombre de recouvrements de ma variété pour cette métrique-là.
Donc, je regarde mon nombre de recouvrements. Et ben, il se peut que ça augmente de façon exponentiellement vite. Et si ça augmente de façon exponentiellement vite, la constante exponentielle, ben, ça sera l'entropie topologique. Okay, donc, je vais essayer de recouvrir toute ma variété par des boules de rayon epsilon. Je regarde le nombre minimal dont j'ai besoin pour cette métrique-là. Et ben, ce nombre-là, et ben, ça va être 1 sur n. Et donc, ce nombre-là, je le fais tendre vers l'infini. Je regarde son facteur exponentiel, c'est celui-ci. Et après, je vais tendre epsilon vers 0 pour avoir un ticket de bon pas de la métrique. Okay, donc, ça, c'est l'entropie topologique. L'entropie métrique, une façon de la définir, ce n'est pas complètement la définition standard, c'est la diffusion due à Katok, en fait, celle-ci. C'est la façon suivante, c'est qu'on ne va pas chercher à couvrir toutes les points. Donc, si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais de Z au carré sur le cercle. En fait, donc, son entropie topologique, ça va être égal à log de 2 ici. Mais on avait vu que presque tous les points vont converger vers deux points. Et donc, on a envie de dire que bah, ce n'est pas très compliqué comme truc. Et effectivement, pour cette notion d'entropie métrique, ce n'est pas très compliqué parce qu'elle nous autorise, en fait, non pas à recouvrir toute la variété, mais à recouvrir 1 moins epsilon de toute la variété. Okay, donc, si j'essaie de recouvrir 1 moins epsilon presque tous les points de la variété, je regarde son nombre de recouvrement, je regarde la constante exponentielle, c'est mon entropie métrique, c'est ça. Sa définition, c'est ça. Okay. Maintenant, je peux regarder autre chose, je peux regarder l'entropie métrique locale. Et donc, l'entropie métrique locale, comment est-ce que je la définis? Ben, je regarde en fait le volume de la boule pour la métrique DN à un certain point X. Donc, c'est une métrique qui va dépendre du point X. Okay, donc, ça, c'est les trois grandes définitions d'entropie qui existent. Il y en existe peut-être une infinité de définitions différentes. Et ici, en fait, on a cette proposition-là qui est connue, dont cette direction-là n'est pas évidente, qui dit que le suprémum essentiel de l'entropie locale est inférieur à l'entropie métrique, pour cette définition, qui est lui-même inférieur à l'entropie topologique. Voilà, donc là, on arrive enfin au cœur du sujet, qui est l'émergence. On va prendre cette définition-là et on va juste essayer de le généraliser. Et donc, la philosophie, en fait, de la théorie hyperbolique, c'est qu'on a l'entropie, on va chercher à la maximiser, et nous, réciproquement, on va faire une notion similaire, qui va appeler émergence, et on va aller chercher à la maximiser dans l'étude que je vais vous présenter dans le temps qui reste. Donc, déjà, ce qu'on commence à faire, c'est qu'on prend l'espace des mesures, on le munit de la distance de Wasserstein, c'est une distance qui est sympa, elle définit la topologie faible, on peut la définir en ligne comme étant égale au supprimum sur les fonctions 1 Lipschitz de la différence de deux mesures. Okay. De façon plus concrète, en fait, on peut la visualiser de la façon suivante, c'est qu'on s'imagine que notre espace, bah, c'est notre salle, on imagine que la mesure, bah, c'est un tas de sable posé sur le sol, et que l'autre mesure, bah, c'est un autre tas de sable, et on veut savoir combien d'efforts je vais avoir pour transporter un tas de sable vers l'autre, bah, ça, c'est la distance de Wasserstein. La distance minimale, c'est ça. Donc, on a ça, et ce qu'on a, en fait, bon, bah, par exemple, pourquoi c'est conique? C'est typiquement, si je prends la distance entre deux Dirac en deux points, X et Y, la distance de Wasserstein entre ces deux points, ça va être la distance entre les deux points. Okay, donc, c'est un truc qui est naturel, et ce que je vais vous dire, en fait, ça ne dépend pas trop de cette métrique-là. Il y a pour d'autres moments, pour d'autres types de métriques, genre, quoi, il y a d'autres métriques pour lesquelles ça marche. Donc, disons juste que j'ai pris une définition naturelle de distance et pour vous dire ce qui suit. Par contre, un truc qui se passe, c'est que cet espace-là, en fait, il est énorme. Donc, l'espace des mesures de probabilité sur une variété, c'est énorme. En fait, c'est super exponentiel. C'est, si je veux recouvrir mon espace par des boules de rayon epsilon, j'en ai besoin d'exponentiel epsilon à la puissance moins dimension de m. C'est un truc qui est super exponentiel. Dès que la dimension est plus grande que 1, c'est un truc qui est super exponentiel. C'est énorme. Et donc, je veux dire, tout à l'heure, je vous parlais des mesures sur le chiffre. C'est pareil, sur un horseshoe, le nombre de mesures qu'on va avoir, c'est de cet ordre-là. On verra dans un instant. Donc, de fait, en fait, si on veut regarder le nombre de recouvrements pour ces ordres d'espace-là, on peut aller directement regarder l'ordre d'une fonction. Okay, donc, l'ordre d'une fonction, je vais le définir comme étant le plus petite constante de ce qu'on appelle en anglais stretch exponential, donc c'est exponentiel étiré en français, je pense. On va prendre le plus petit alpha qui marche. Okay, je prends le plus petit alpha tel que le comportement de ma fonction phi qui tend vers l'infini lorsque epsilon tend vers 0, et bien elle soit majorée par exponentielle à la puissance epsilon à la puissance moins alpha. Donc, une fois qu'on a cet ordre-là, ben, on y va, on peut envoyer les définitions.
Donc, je vous rappelle que la mesure empirique en un point X, la énième mesure empirique, ben, c'est la mesure qui est équidistribuée sur les n premiers itérés de mon point. Et cette mesure-là, elle peut, mais elle peut aussi ne pas converger. Dans ce cas-là, on va regarder l'ensemble des séquences d'accumulation, qui est ce truc-là. Et on a vu que si jamais la dynamique elle est conservative, et ben, Lebesgue presque tous les points, hein, si ça préserve la mesure de Lebesgue, Lebesgue presque tous les points par le terme de Birkhoff, c'est juste un point. Okay, donc, si ça vous fatigue, vous supposez que c'est juste un point presque partout. Okay. Et donc, on va définir différentes notions d'émergence. La définition d'émergence première qu'on pourrait regarder, ben, c'est on prend tous les comportements statistiques qu'on peut avoir. Donc, je prends tous mes points, je prends toutes leurs mesures empiriques, toutes leurs limites de mesures empiriques. J'ai un ensemble qui est, a priori, petit. Ben, c'est très petit. Si je suis sur une rotation sur un cercle, ça vous dit que j'ai juste un point. Mais ça peut être... mais ça peut être énorme. Hein. Si jamais j'ai un chiffre, par exemple, on verrait que c'est un espace qui est énorme. Et donc ça, j'appelle l'émergence l'ordre de l'émergence topologique, j'ai appelé l'ordre du nombre de recouvrements de cet espace-là. Okay, une autre définition qu'on va prendre, c'est qu'on va dire, OK, je ne vais pas prendre tous les points de ma variété, mais je vais prendre presque beaucoup, genre tous les points moins epsilon points. Okay, et je vais recouvrir cet espace-là. Donc je prends ce nombre-là. Et ça, je vais obtenir du coup... je vais pouvoir définir en prenant ce nombre-là l'ordre de l'émergence métrique. Enfin, ce que je peux regarder aussi, eh ben, c'est le volume Alors, là, c'est un peu plus compliqué, il faut se prendre un peu la tête. En fait, j'ai une fonction E de F. Si je préserve le volume, on avait dit que c'était un truc qui était uniquement défini. Donc, en fait, on a une application qui va de ma variété, qui va envoyer la mesure empirique, qui est un unique point presque partout. Donc, c'est une fonction qui est mesurable, qui, elle, va appartenir à l'espace des mesures. Okay, donc, j'ai ce truc-là, et comme je suis conservatif, ben, j'ai une mesure qui est associée là-dedans, donc je peux la pousser en avant, cette mesure. Donc, je peux pousser en avant la mesure de Lebesgue pour définir une mesure ici qui s'appelle la décomposition ergodique. Okay, donc, ça, c'est une mesure sur l'espace des mesures. C'est là où il faut un peu se prendre la tête. C'est une mesure sur l'espace des mesures, et je peux regarder le volume des boules pour cet espace des mesures. Okay, et donc, si je regarde le volume des boules, et ben, je peux regarder son ordre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'émergence locale. Donc voilà, donc il y a, ça, c'est un théorème qui a été démontré par un étudiant en M2, qu'on a aussi cette inégalité-là, et c'est celle-ci qui est difficile à démontrer. Ce n'est pas facile. Okay, donc Mathieu et Fleur qui ont démontré ça cette année. Voilà, alors, je continue sur ce genre de notion-là. En fait, une fois qu'on a cette définition-là, bien sûr, la question, c'est est-ce qu'il existe des exemples intéressants? Et en fait, bah oui, il existe des exemples intéressant et en fait même on a envie de conjecturer que en fait il y en a beaucoup d'exemples, c'est-à-dire qu'en fait pour une certaine notion de typicité il y a beaucoup d'exemples, c'est même typique. Donc ça, c'est une conjecture que j'ai fait qui était un peu pareil en calquant une conjecture qui est célèbre et extrêmement difficile qui s'appelle la conjecture d'entropie positive qui dit que l'entropie métrique est typiquement positive. Donc ça, elle est complètement ouverte, cette conjecture-là. Je veux dire, elle est triviale si on prend une des offres, mais dès qu'on prend les exemples que je vous ai montrés, la standard map, etc., c'est juste impossible. Et donc, dès qu'on n'est pas dans un cadre uniforme parabolique, elle est complètement... il y a beaucoup de gens qui sont cassés dans le dessus. Il y a beaucoup de très bons mathématiciens qui sont cassés dans le dessus. Et donc, voilà, donc c'est une conjecture qui est analogue. Et où, cette fois-ci, on ne va pas chercher à maximiser la divergence des points, mais on va essayer de maximiser... la richesse statistique de notre système. Donc bah voilà, on a quelques résultats par rapport à ça, je vais vous montrer. Donc déjà, le résultat que je vous ai montré tout à l'heure, eh ben, c'est vrai, en fait, si jamais on ne va pas prendre une variété, on prend un compact, hein, un compact un compact quelconque, eh ben, on va avoir pareil, le même genre de résultat, mais ici, il faudra mettre la dimension... la box dimension, donc je ne vais pas le définir, la dimension par boîte. Donc ça marche aussi pour les autres des espaces qui ne sont pas des variétés, mais des cantors, par exemple. On a aussi que le recouvrement, le nombre de recouvrement des mesures d'un cantor, de probabilité d'un cantor, bah, c'est un truc qui est stretch exponentiel, et on a même la dimension qu'on a là. Donc c'est un truc qu'on a obtenu qui fermait une histoire et qu'on a obtenu avec Jair Oboki et Rémi Père. Avec Jair Oboki, on a aussi montré que même si jamais on se restreint aux mesures. Si on se restreint en mesures invariantes, okay, les mesures ergodiques qu'on a vu tout à l'heure, eh ben, on va encore obtenir la même chose. On va encore obtenir que c'est le même ordre. Okay.
Donc, ça, c'est un truc qu'on obtient. Et bah, je vais vous donner une petite idée de preuve, parce qu'il faut quand même faire une preuve. Elle n'est pas très compliquée. J'essaie de faire vite. En fait, c'est une preuve, donc c'est une preuve qui est combinatoire. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a un lemme combinatoire. Okay, donc, le lemme combinatoire, il dit la chose suivante. Il dit que si jamais j'ai deux n couleurs de perles, donc j'ai un paquet de perles, tu vois, j'ai deux n couleurs, bah, combien est-ce que je peux former de colliers de n perles et en 2 à 2, n sur 2 perles au commun, au moins, au plus. Ayant au plus, pardon, au plus, 2 à 2, n sur 2 perles en commun. Ok, bon, j'avais déjà marqué ici que c'était au plus. Ben ça, on peut démontrer en utilisant l'inégalité de Bernstein que ben c'est exponentielle à la puissance cn. Une constante qui ne dépend pas de n, telle qu'on va avoir exponentielle de n. Donc après, si on veut démontrer ce théorème-là, eh ben, on a sur notre espace, on prend epsilon à la puissance moins 2 points qui sont epsilon distants, puisque voilà, on est là-dedans, donc on en prend epsilon moins 2 points qui sont epsilon distants. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on voit chacun de ces points-là comme une perle et on va construire des colliers. Et chacun des colliers, en fait, bah, c'est des combinaisons linéaires de ces points. Okay, donc, ça va être une combinaison linéaire et ça va former. Donc, je prends j'ai une perle voilà, rouge ici, bleu là, noir ici, etc. Si j'ai trois perles, eh bah, je peux former une mesure qui va être supportée par ces trois points-là et que n est égal à 3. Je prends cette mesure qui est supportée par ces trois points-là. Si j'en ai 4, j'en prends 4 points comme ça. Et le fait qu'en en fait, on en a exponentiellement, exponentielle de Cn, différent, donc exponentielle C, epsilon à la puissance moins 2 points qui sont epsilon distants, et bien je vais pouvoir construire comme cela, exponentielle de C, epsilon sur epsilon à la puissance moins 2, collier, donc mesure, qui vont être chacun epsilon distant, epsilon sur 2 distants. Okay, c'est la preuve qu'on peut faire pour ça, et en fait, si on veut l'avoir pour des compacts hyperboliques, et bien en fait, on remplace les points par des points périodiques, et en fait, on peut montrer en utilisant des arguments un peu plus compliqués que en fait on peut vraiment avoir on peut vraiment paver notre espace recouvrir notre espace par des orbites périodiques epsilon moins d distantes. Donc voilà, ça c'est un petit lemme combinatoire qui vous dit que vraiment l'espace des mesures c'est un espace qui est énorme, et même si on prend les mesures qui sont invariantes, dès qu'on a une dynamique avec une entropie positive en fait. Donc voilà, après on a deux résultats en fait qui vont complémenter ça, c'est bah, qu'il y a des monstres aussi dans le cadre de dynamique très simple qui existent, des très beaux théorèmes, très beaux théorèmes de Hofbauer-Keller. Et donc ce théorème-là en fait disait que si on prend une dynamique très simple, donc les applications unimodales x au carré plus a, donc on fixe la constante, on rajoute cette dynamique de ça, et ben il existe une quantité indénombrable de paramètres a tels que cette dynamique-là va avoir presque tous les points qui convergent vers presque toutes ces mesures invariantes. Et donc, en fait, comme ça contient des décalages de Bernoulli pour ces paramètres-là, et ben, on a immédiatement qu'on va avoir un ordre métrique égal à 1, hein, une émergence métrique égale à 1 pour un dénombrable. Et il y a Talvi qui a montré la même chose pour des fractions rationnelles complexes, mais là, du coup, on va obtenir 2. Donc voilà, ça c'est des exemples qui existent. On a un innombrable, on peut montrer que c'est même générique dans des ensembles d'applications de mesures positives. Par contre, on est absolument, ou je dirais a priori, c'est en tout cas pour le cas unimodal, c'est faux que ça appartient pour que ce soit un ensemble gros, mais c'est en dimension 1. Donc on ne sait pas ce qui va se passer en dimension 2. Donc avec Sébastien Bibler, qui est aussi à l'IMJ, ce qu'on avait démontré récemment, en janvier, c'est qu'on peut trouver un ensemble dense de polynômes polynomiaux, de polynômes réels, ou voire même de diffeomorphismes analytiques réels, ce qu'on veut, tel que, en fait, on va avoir un ouvert de points qui vont être tous asymptotiques, donc on a un ouvert. L'ouvert, il est rapetissé pendant sa trajectoire, mais par contre, il va s'étaler. Il va s'étaler sur un ensemble de mesures énormes. Okay, ce n'est pas sur un shift, mais sur une partie d'un shift, mais suffisante pour pouvoir, pas sur un décalage, mais sur une partie d'un décalage, car cela suffisante pour avoir une richesse de comportement statistique énorme. Donc ça, c'est un terme que j'aime beaucoup, parce qu'en fait,
on a un conflit, quoi. On a d'un côté, on a un ouvert où, bah, du point de vue du paradigme de l'entropie, etc., bah, tous les points convergent ensemble. Donc, en fait, c'est un truc qui est localement stable, quoi. Deux points proches vont être très proches. Mais par contre, statistiquement parlant, ce n'est pas du tout suffisant pour pouvoir en fait, dire que la dynamique statistique, elle est simple. Au contraire, elle est extrêmement complexe. Et au passage, en fait, ça démontre une conjecture, quoi, une question qui était ouverte, qui était importante pour les gens de la dynamique holomorphe, parce que ça montre qu'on a des composantes de Fatou errantes. Et ça, c'est une question qui était ouverte depuis très longtemps. Donc, Romain Dujardin a travaillé sur ce sujet-là aussi. Mais le cas automorphisme, le cas important des automorphismes, était complètement ouvert depuis le temps. Voilà. Donc, si on veut maintenant parler de modèles, tout à l'heure, je vous ai parlé de modèles, et ce qui m'intéresserait, c'est vous poser en retour la question, si on voulait modéliser ce genre de dynamique de grande émergence, eh bien, ça serait de prendre un décalage et de le munir d'une mesure, un Dirac, en fait, en un point, qui a un comportement historique, c'est-à-dire qui a un comportement statistique qui ne va pas converger, qui va diverger, qui va s'accumuler sur un point ensemble. Donc, ça, c'est un modèle qu'on peut avoir. Un dernier exemple dont je voudrais vous parler, c'est cet exemple-là. Donc, c'est une généralisation d'un exemple que j'ai fait avec Jay Roboki aussi, qui dit en fait que génériquement, donc topologiquement génériquement, donc il existe une intersection d'ouverdance dans l'espace des différents morphismes conservatifs ou même dissipatifs. Donc, c'est localement topologiquement générique, tel qu'on a une émergence maximale, une émergence dès la 2. Donc, 2, en fait, l'ordre 2, c'est l'ordre de toutes les mesures de probabilité. Donc, on a vraiment un ensemble énorme. Et en fait, là, ce que je n'ai pas publié encore, c'est qu'on peut même avoir ça pour une émergence locale d'ordre 2. Hein? Donc, même si on prend l'émergence locale, qui est plus petite a priori que l'émergence métrique, bah, même si on prend ça, et bah, on peut avoir un ordre 2. Donc, là, la preuve, c'est des choses que Bassam connaît bien. Ça se rapproche un peu à la construction d'Anosov-Katok, mais ce n'est pas la construction d'Anosov-Katok exactement. C'est plus flexible. C'est la chose suivante. Tout à l'heure, je vous ai dit, en fait, pour démontrer qu'on a une grande émergence, qu'on a un nombre de recouvrements énorme dans l'espace des mesures, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des colliers. Donc, prenons les colliers. Donc, j'ai pris N couleurs. Là, j'ai mis N couleurs. J'en prends 8 de couleurs. Et du coup, bah, je vais avoir exponentielle de C fois 8 colliers possibles que je peux faire, qui, de point de vue des couleurs, sont uniformément distants les uns des autres. Et donc là, j'ai mes perles qu'on voit, c'est les petits rectangles là. Okay. Et là, en bas, là, ce que j'ai défini, bah, c'est les boîtes. Okay. Donc, il faut ranger les colliers dans les boîtes. Okay. Donc, je range chacune des perles dans la boîte à perles de la bonne couleur. Okay. Donc, j'ai une grosse boîte bleue et une boîte verte, j'ai une autre boîte vert plus foncé, etc. Et donc, je veux construire une application qui va m'envoyer chacune des perles dans la bonne boîte. Okay. Donc, ça se fait. Okay. C'est un truc qui se fait. On peut même le faire de façon conservative. On peut le faire de façon à ce qu'on se conserve le volume. Okay. Donc, je peux trouver une transformation du plan. Okay. Ou du carré, là, du gros carré, qui va envoyer chacune des perles dans la bonne boîte. Donc, je le fais. Maintenant, ce que je fais, c'est que ici, sur cette dynamique-là, en fait, eh ben, je vais mettre une rotation, la rotation d'angle 1 quart. Je prends la rotation d'angle 1 quart, donc si bien que chaque perle est envoyée sur la suivante exactement par une translation. Ben, si maintenant je fais ça et que je regarde la conjugaison de cette dynamique-là, donc là, j'avais rotation d'un 1 quart, et que je prends ici phi de t qui est égal à h moins 1 rond. J'espère que non, c'est pas h moins 1, c'est h rond r de t, ok, comme ça. Mince, je me suis planté, j'ai pas l'habitude de travailler avec la tablette. C'est, hop, celui-là. Si je prends r à la puissance 1 quart rond h moins 1, en fait, je vais là-dedans, je repars par là, je décale d'un cran et je reviens ici, ok. Et donc, je définis comme ça une dynamique possible, okay, qui est là-dedans, qui va faire que en fait, chacune des bandes va être à peu près aussi bien distante que le nombre de couleurs sont différentes. Okay. Chaque bande qui était a priori proche ici se retrouve avoir un comportement moyenne qui, dont la distance dépend de la différence de ces couleurs. Okay. Donc là, je voulais faire en plus gros pour qu'on voit un peu ce qui se passe là. Et ce qui est rigolo là-dedans, c'est qu'après, je peux regarder ce qui se passe dans chacun de ces carrés. Donc si je regarde au bout de au temps 1 quart, si je prends le temps 4 de ma dynamique, eh ben, je reviens dans mon carré. Okay, et je suis égal à une entité dans chacun des carrés. Parce que c'est la rotation d'ordre 4. Donc là, ici, si je faisais R à la puissance 1 quart, je veux dire,
Si on prend ça à la puissance 1 quart, ben, j'obtiens h moins 1 rond 1 quart à la puissance h moins 1 là-dedans. Je le mets à la puissance 4. Ça, c'est égal en fait à h rond h moins 1 et qui est égal à l'identité. Okay, donc, je reviens dans, au bout de 4 itérations, je vais avoir l'identité dans chacun de ces carrés. Et ce que je peux faire, ben, du coup, c'est que je peux reconstruire, je peux repaver encore ce petit carré-là par plein de colliers avec beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de gros carrés comme ça, et construire cette conjugaison-là, et après faire une toute petite translation là-dedans. Okay, et je retenir une transformation comme ça là-dedans. Et si j'itère le processus comme ça, en fait, ben, je vais obtenir en fait, un cantor avec une émergence locale qui est infinie. Donc, ce qu'on pourrait faire pour modéliser cette dynamique-là, c'est cet espace-là. Okay. Donc j'en arrive sur la question finale. En fait, on a vu tout à l'heure qu'il y avait dans les modèles paradigmatiques des dynamiques quasi-périodiques ou hyperboliques, des modèles qui étaient très géométriques, hein, qui avaient une structure géométrique invariante. Et en fait, là, j'ai des modèles que je vous ai montrés tout à l'heure qui sont aussi géométriques en quelque sorte, surtout celui-là. Mais c'est des cantors. Et ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir, en fait, si vous avez une idée, dans des modèles qui soient continus, en fait. Par exemple, je veux dire, la théorie quasi-périodique, c'est un truc qui se généralise très bien dans la théorie des groupes de Lie, la théorie hyperbolique aussi. Hein. Et bah, j'aimerais bien avoir, en fait, des exemples comme ça, où les actions, en fait, avec un nombre énorme de points périodiques, tous avec des comportements statistiques très différents. Quoi, ça, c'est un truc que je recherche, et si vous avez des idées par rapport à ça, bah, ça m'intéresse. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci pour ce super exposé. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Gilles. Oui, d'abord, merci beaucoup. En effet, c'était très intéressant. C'est Gilles Godefroy ici qui parle. Je ne suis pas sûr du tout que ça répond à ta toute dernière question, mais je voulais malgré tout le signaler par précaution. Il y a eu énormément de travail de fait dans ces 20 dernières années sur des questions de dynamique linéaire. Alors, le mot standard là-dedans, c'est l'hypercyclicité. Il y a eu des travaux de Sophie Griveau, en particulier d'un certain nombre de co-auteurs, et il y a un bouquin de Frédéric Bayard et Étienne Matron à Cambridge University Press qui est assez complet là-dessus. Alors, il s'agit d'applications linéaires, en fait, sur des balades, bien entendu, de dimension infinie, où il y a un comportement de type hyperbolique, en un certain sens, au sens de ta conférence. Il y a aussi des situations où c'est chaotique au sens de Devanet, donc il y a des familles denses de points périodiques. Ils ont également établi des existences de mesures gaussiennes invariantes par rapport auxquelles on a un comportement ergodique. Enfin, il y a une théorie déjà très riche et qui peut peut-être fournir des exemples intéressants dans le cadre qui te préoccupe. Donc je voulais signaler l'existence de de ce développement relativement récent. Okay, merci. Mais je t'en prie, j'espère que ça peut être utile. J'ai juste un commentaire. Il faut que tu enlèves ton. J'ai un commentaire question là. Il faut que tu enlèves le son parce que. On est deux, je suis avec Jean-Paul et on a chacun son. On disait que. C'est bien, ça ressemble à un concert de reggae, j'aime bien. Ou DJ Yandex. Bah Sam, t'as pas branché ton micro. Oui, non, je voulais dire et l'entropie locale, comme tu l'as défini. Ah merde. Ah oui, oui.
Non, tu n'entends plus, Bassam. Salut, Bassam, on ne t'entend pas. Bah, éteins tout. Moi, j'ai tout éteint, Bassam. Ah, j'ai compris. Excusez-moi, mais posez d'autres questions. Moi, c'est bon, hein, c'est pas très grave ce que j'ai à dire. Sinon, tu utilises le micro de Jean-Paul et tu as le tien. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Oui, non, écoute, pardon. Hein. C'était juste pour dire que l'entropie locale, ce n'est pas la définition classique que tu utilises là. C'est l'entropie locale comme Newton, comment il s'appelle? Il l'a défini là. Newhouse. C'est le nombre de boules de Bohn qu'il faut pour couvrir un compact invariant au voisinage d'un point X. C'est pas c'est pas la mesure. Remonte. Là, c'est plutôt l'entropie de Shannon là. Entropie métrique locale. Oui. C'est pas ça l'entropie métrique locale. Hein. Je pense pas. Ah bon? Oui, parce que l'entropie métrique locale, c'est le nombre de boules de Bohn qu'il te faut pour ouvrir un attracteur localement. Tu as un attracteur, un compact invariant attaché à X. C'est l'entropie qui détecte les petits horseshoes, quoi, les tout petits horseshoes. Et c'est elle qui permet de comprendre la continuité ou non de l'entropie en changeant le... Je pense pas que l'entropie locale soit... l'entropie ponctuelle en X, quoi. C'est une question de mots. Hein. Mais peut-être qu'ils utilisent le même mot pour deux notions différentes. Brin et Katok, ils appellent ça entropie locale, je crois. Hein, ouais, il y a l'entropie locale introduite par Newhouse quand il étudiait la continuité de l'entropie et qui est exactement ça. Tu prends un point X, tu regardes une boule autour de X. Mais là, on finit. Et tu regardes un compact invariant qu'il y a là-dedans et tu vois combien de boules de Bohn il te faut pour le couvrir. Attends, il me semble qu'il y avait un autre... Et tu regardes la croissance exponentielle de ce nombre, le truc habituel, et tu as une entropie qui est locale en. Un autre nom que justement David Burguet utilise pour ça. Il me semble qu'il y a que David Burguet qui travaille beaucoup sur ça, hein, il utilise un autre mot que l'entropie locale. Bon, en tout cas, ça, c'est une définition que j'ai déjà vue. J'ai vu. Ça m'a un peu... j'ai mal compris, en fait. Mais là, je parle d'entropie. Quoi dire, c'est un truc qui est défini. En fait, il y a même des théorèmes qui te disent qu'en fait, tu peux dire que c'est que l'entropie métrique, c'est l'intégrale de ça, il me semble. Oui, mais bon, pour un système ergodique chez toi, l'entropie locale, c'est l'entropie du... C'est l'entropie totale, non? Là, pour un système qui est ergodique, effectivement, la définition de Katok que j'ai mis, en fait, c'est pas exactement la même notion qui est la plus usuelle. C'est-à-dire, c'est par exemple celle-ci, l'entropie métrique, la définition que je donnais, c'est pas égal à l'intégrale des exponents de Lyapunov, par exemple, pour un système conservatif. C'est le supremum de celle-ci. Et donc, j'ai une autre question, mais plus constructive, je dirais. Mais là, c'était juste parce que je me suis perdu avec les notations. Ton dernier exemple. Ouais. Tu peux le faire en transitif? Non, ça c'est pas du tout transitif. Attends, peut-être, je sais pas. Tiens, je vais avancer, bonne idée. Non, moi ce que j'aurais bien, c'est de faire en analytique ce truc-là. J'aimerais bien. Ça, j'arrive pas. Okay. Mais peut-être que j'arrive à le faire en analytique, je sais pas. Et en transitif, j'ai pas cherché à faire ça, en fait. J'ai pas cherché, mais a priori, c'est possible. En analytique, tu vas peut-être sur un tort, tu pourrais le faire, mais pas. Peut-être que c'est possible de faire en transitif. Un anneau, là. C'est peut-être possible de le faire en transitif. Je ne me suis pas posé la question. En fait, moi, mon rêve, en fait, ce serait d'avoir ça. Mon rêve, hein, ce serait d'avoir ça pour les équations de l'air, en solution stationnaire de l'air. Ça, j'ai un truc que j'aimerais beaucoup. Avoir un truc pareil en mécanique des fluides, quoi. Ça, c'est apparemment, il y a des théorèmes qui disent que tu prends n'importe quel système dynamique, tu peux le voir comme... un sous-flot du flot de l'air dans une... Ça, je ne savais pas. Je ne crois pas que ce soit... pour les EDP, oui. Mais pour les équations de l'air, non. Les équations de l'air stationnaires, il n'y en a pas tant que ça. Et il y a eu récemment, tu vois, juste pour te dire, un des achèvements récents qu'il y a eu, c'était qu'on arrivait à mettre un anosope dedans, je crois.
Donc non, les équations de l'air, c'est que c'est il y a un programme de là sur l'universalité des équations de l'air. Bon, je connais ça, je sais pas, faut que tu me racontes ça. Après, là, je parle vraiment, lorsqu'on parle d'équation de l'air, hein, c'est pas en dimension 36, c'est dimension 3, quoi. OK. Enfin, le vrai truc, quoi. Je veux mettre ça là-dedans. OK. Ah, j'aimerais bien. Ça, j'adore, mais j'y arrive pas. En fait, on travaille avec ça, avec Anna et Daniel. Mais ça m'aimerait beaucoup. Parce qu'en fait, ça pourrait me mettre un. Tu vois, ça pourrait. Tu vois, si je me permettais de rêver publiquement, ça pourrait même faire penser à la turbulence, en fait. Il n'y a pas du tout de... Il n'y a rien qui dit que la turbulence, c'est un truc qui est forcément ergodique. Donc, aujourd'hui, les gens, ils sont plus en train de penser à l'entropie positive pour la turbulence. Mais pourquoi pas un truc comme ça? Et en fait, dans les équations, dans les expériences numériques que font les gens vraiment en labo, avec une soufflerie et compagnie, il peut y avoir des comportements comme ça où en fait c'est pas reproductible, quoi. Et je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire qu'ils vont faire souffler plusieurs fois leur machine et en fait les moyennes qu'ils obtiennent sur les grandeurs qu'ils regardent, donc c'est des trucs mathématiques, des moments, je sais pas quoi, etc. Et ils vont pas avoir la même chose. Donc il y a des comportements un peu historiques et je trouve ça super séduisant en fait par rapport à la réalité de. Bien sûr, comme ça ne peut pas être reproductible, ça les intéresse moins. Donc, ils le mettent de côté, ils ne recommencent pas. Ils cherchent des endroits où c'est vraiment reproductible, parce que c'est plus dans le paradigme scientifique hein, d'avoir des expériences qui sont reproductibles. Et là, en fait, en quelque sorte, c'est des trucs qui ne sont pas. Ça donne ça pourrait donner des exemples qui ne sont pas reproductibles. Il y a une question dans le chat de Pierre-Antoine Guénoff qui dit. Donc, tu as des critères explicites pour le phénomène de Neuhaus. Est-ce que ça a été déjà codé, testé sur des exemples? Les critères spécifiques. Il ne veut pas allumer son micro. Pour le phénomène de Neuhaus dont tu parlais. Donc, tu disais que tu avais des critères pour le. Peut-être tu peux nous dire c'est quoi les critères? Ah, les critères. Les critères, ils sont classiques. Donc, il y a plusieurs critères. OK. En gros, en dimension 2, ce qu'on fait en dimension 2, donc il y a un concept, donc il y a le truc le plus simple qui existe, c'est l'épaisseur. Donc l'épaisseur qu'on attribue aujourd'hui à Neuhaus, mais qui était déjà connu avant, en fait, en théorie non, je crois, qui dit la chose suivante, qui dit, en gros, si on prend, donc c'est un peu technique, hein, j'espère que je ne vais pas me paumer. Que je ne sais pas lequel je vais prendre. Donc, il y a plusieurs façons de construire du Neuhaus. Okay, donc, il y a la façon, on va prendre cette fonction-là. Donc, là, on va prendre celle-là. Donc, en gros, je vous ai montré tout à l'heure un hors-chou. Voilà, il est là. Le hors-chou, il est là. Okay, donc, j'ai ce hors-chou-là. Et en fait, ce que je peux regarder, c'est le ratio entre ça et ça. Okay, donc, faisons simple, mettons-nous dans un cadre linéaire, okay, affine. Et donc, je peux prendre ce ratio-là, ici. Okay. Et je peux prendre aussi le ratio que j'ai entre ça et ça. Okay, bon, et ben ça, si je fais le produit en fait des deux, okay, ben j'obtiens un truc qui s'appelle la thickness, okay, l'épaisseur. Et si l'épaisseur est plus grande que 1, et ben je sais en fait que lorsque, donc ici, si j'itère, je vais avoir ce qu'on appelle une lamination stable avec plein de variétés stables ici. Il y en a plein. Ici, je vais avoir plein de laminations, plein de variétés instables qui sont comme ça. Ici, donc, j'ai un théorème, donc le gap lemma, qui dit que maintenant, si ce petit morceau-là ici, eh ben, je le prends, je le retourne et je le mets comme ça, okay, là-dedans, à côté de tous les trucs, eh ben, je vais avoir un cantor ici. Quoi, je peux regarder le lieu d'intersection et ça, c'est un cantor. Et ces deux cantons-là vont s'intersecter robustement si jamais le produit thickness est plus grand que 1. Okay. Donc, c'est le genre de critère qui a été utilisé pour l'application standard, par exemple. Dans l'application standard, c'est Duarte, je crois, hein, qui a fait ça. Il a dit que dans l'application standard, eh ben, on va aller avoir en fait, une épaisseur plus grande que 1 partout. Et donc, du coup, on a un ouvert, un voisinage de l'infini de tous les paramètres assez grands. On peut même donner une borne explicite pour laquelle en fait, on sait qu'on va avoir des intersections robustes entre les variétés stables et instables. Et dès qu'on a une intersection robuste, des tangences robustes, et bah, immédiatement, c'est générique d'avoir une infinité d'hylolectiques qui s'accumulent. Donc voilà, ça, c'est des critères qui sont faciles à vérifier numériquement.
Après, il y a les autres critères qu'on a, en fait, c'est sur la dimension de Rosorf, et là, ça devient beaucoup plus compliqué, c'est les travaux de Yokoz et Moreira. Et en fait, il n'y a pas de conditions explicites, des conditions en fait, modulo perturbation. Et donc, c'est un champ de recherche là-dessus pour trouver des conditions suffisantes. Après, il y a des exemples qui sont, entre guillemets, plus simples à construire et à prévoir. C'est des exemples qui ont été donnés d'abord par Bonatti, Dias, après Dias, Pujals, Dias, Noguera, mais aussi Sébastien Bubler qui l'a fait, où on a en fait des cantors, on peut construire des ensembles de variétés stables en fait, qui se projettent en quelque sorte sur des ouverts. Et donc voilà, c'est une propriété de recouvrement, ça correspond en fait à avoir un IFS, donc un système de fonctions itérées où on va prendre une grosse boule et qui est envoyée par plein de branches différentes sur une union de boules. Voilà. Et donc ça, on peut se débrouiller pour le voir vraiment dans la nature. Donc, par exemple, si je prends un homomorphisme qui va prendre ce carré-là, qui va l'envoyer sur ce carré ici, et qui prend l'autre carré ici, et qui l'envoie sur ce carré-là, en fait, eh ben, je sais que je vais avoir un ouvert de variété instable. Et donc, du coup, là-dedans, je peux mettre une autre, je peux créer une tangence facilement, de façon ouverte. Et donc, c'est un truc vraiment, on peut même mesurer la tête de la boule de perturbation qu'on a. Donc, ce n'est pas du tout un truc petit du tout, quoi. Je veux dire, la taille de l'espace des dynamiques sauvages, c'est énorme. Et en fait, pire, aussi bien les gens ils luttent sévèrement pour trouver des exemples de dynamique uniforme parabolique, genre de dynamique là, on les trouve beaucoup plus facilement. Dès qu'on a un exemple intéressant de dynamique dans la nature, dans les expériences numériques, ben, c'est un truc de ce type-là. Je veux dire. Par exemple, un truc qui n'a pas été fait, par exemple, c'est de trouver des nuances pour des. Et je pense que ça va être un truc rigolo à faire, en tout cas un sujet facile à donner. C'est de trouver une neurose pour des variétés dont le flot géodésique présente un phénomène de neurose. Ben, je suis sûr que c'est très facile à faire dès que tu sors du cadre variété plat ou variété hyperbolique. Dès qu'on commence un peu à cabosser les choses, je pense qu'on a du neurose assez rapidement. Bon, il y a du travail à faire, mais c'est un truc qui est fait. Il y a aussi la question de où apparaît le phénomène de neurose. S'il est extrêmement localisé, par exemple. C'est générique, donc c'est très étalé, c'est dense. Non. C'est dense. Non, ma question, c'est, tu as dit l'ouvert de différents, mais dans la variété elle-même, le locus du phénomène. Ce que je disais, c'est que ça s'étale génériquement, ça va s'étaler sur tout compact hyperbolique. Donc, tu vois, dans l'application standard, par exemple, tout compact hyperbolique, lorsque R tend vers l'infini, il tend à remplir tout, si tu veux. Genre, il devient de plus en plus epsilon dense, pour un epsilon de plus en plus petit, dès que tu prends les trucs grands. Donc, les compacts hyperboliques, en général, sont assez gros. Je dirais ici, par exemple, dans cet exemple-là qu'on a ici, a priori, on a du phénomène de neurose qui remplit tout, quoi, qui remplit tout le blanc. Okay. Si on zoom, ça se trouve, on a une infinité d'hylolithiques. Mais ce que cherche à faire l'émergence, c'est de regarder la décroissance exponentielle de ces îlots et regarder comment est-ce qu'ils sont distribués et s'ils sont distribués de façon très aléatoire dans l'espace des mesures invariantes ou pas. Donc ça, c'est le Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, j'avais peut-être une question super naïve, mais tout ce que tu as dit, tu l'as plutôt expliqué pour les diffiomorphismes. On peut dire exactement les mêmes choses pour les flots? Oui, alors il y a un dictionnaire qui marche très bien. Il y a un dictionnaire qui marche très bien pour les flots. Donc déjà, le truc qui se passe, c'est que contrairement à l'entropie, ce que je fais, moi, c'est des trucs qui sont invariants pour la dynamique. Donc l'émergence que tu c'est un truc qui va être invariant par le flow. Donc vraiment, c'est un truc qui marche encore mieux pour le quoi je veux dire. Aussi bien, parfois, il y a des concepts qui sont difficiles de passer d'une dynamique en temps discret et en temps non discret, par exemple la transitivité. C'est pas forcément facile de montrer que le temps 1 d'un flow est transitif, même en surface à courbure négative. Aussi bien là, pour ce genre de choses-là, en fait, c'est immédiat. Parce qu'en fait, c'est invariant par. On regarde le temps, on regarde les moyennes temporelles. Donc, en fait, on va.
On peut généraliser toutes ces définitions-là en prenant non plus 1 sur n, mais 1 sur t, et puis on va plus regarder la somme, on va regarder l'intégrale, et tout ça, ça marche, sans aucun problème. Donc pour chacun des exemples que j'ai fait, en fait, on peut le suspendre. Ouais. On peut le suspendre, et ça va. Et si les constructions sont stables, si c'est stable, c'est les critères de généricité, ou voilà, on avait le truc là avec Jairo, par exemple, on sait que c'est générique. Et ben, ça va rester générique même si dans la suspension, même si on perturbe en sortant de la case de suspension. Il n'y a pas de, il y a pas de problème de ce point de vue-là. Okay. Non, après, voilà, une question par contre dans le délire, ce serait il y a beaucoup de choses, par exemple, l'hyperbolicité, ça se généralise pour les actions de groupe. Ça, je ne sais pas du tout le définir pour les actions de groupe. Ça pourrait être intéressant de regarder comment ça peut se définir dans les actions de groupe. Mmh. Et s'il y a des exemples intéressants qui sortent. Une solution de l'air, c'est une croissance du temps dans la variété. Et donc, tu veux voir. Ok, est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, bon, de toute façon, on peut continuer à discuter demain avec Pierre quand on veut. Ouais, merci. Mais n'hésitez pas, si vous avez des commentaires par email, vous avez mon adresse. Ça m'intéresse. En tous les cas, merci beaucoup pour cet exposé. Pour l'invitation. Et à bientôt. Merci. Au revoir.